Bonjour à tous, Ludovic Leclerc, votre analyste pour belgianinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le S&P 500. La mise à jour qui se fera pour la semaine du 19 octobre en collaboration avec FXCM sur une plateforme TradingView. Tout d'abord, les informations sur les risques parce que le marché comporte des risques de perte. Il n'est pas adapté à tous les profils d'investisseurs. C'est à vous-même d'évaluer vos propres risques. Moi, en tant qu'analyste, je ne suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations. Cette vidéo n'a pas pour but de vous conseiller dans vos opérations. Ce que je vous conseille, c'est d'ouvrir des comptes démo afin d'établir vos stratégies. Ma stratégie à moi, c'est l'analyse des impulsions. Stratégie que j'utilise depuis 2010, qui utilise différents outils dans le graphique et une stratégie que je peux également vous enseigner. Alors, passons sur notre plateforme TradingView. Sur le S&P 500, on voyait l'évolution du S&P 500 en unité journalière. La semaine dernière, on était resté au-dessus ici de notre médiane de Andrews. Hein, c'était une bonne nouvelle pour une poursuite haussière en direction des 2046. C'était l'objectif qu'on avait fixé cette semaine. Le support était ici proche des 2000. Eh bien malheureusement, lundi, eh bien on s'est enfoncé, lundi, on a poursuivi au-dessus de la médiane de Andrews, ce qui nous permettait de penser que l'objectif serait rapidement atteint, mais mardi, on a consolidé, on est venu d'abord se poser sur la M7 et sur le support des 1997 points, avec une clôture, à 1999, il me semble, quelque chose comme ça, voilà. Une clôture proche des 1999-2000 points quasiment. Un chiffre rond, ça c'est aussi une chose importante à savoir. Il y a souvent pertinence à regarder les chiffres ronds. Donc ça c'était pour mardi. Mercredi, on s'enfonce sur la M7 et sous le support. Là je me suis dit, aïe aïe aïe, on va partir vers la zone intermédiaire de la médiane et peut-être la M20. Mais jeudi, on a bel et bien réaccéléré. On est en une seule séance donné ce marubozu haussier, hein, quasiment un beau marubozu. C'est-à-dire une séance qui ne fait que monter, qui clôture sur les points les plus hauts, ou quasiment les plus hauts, ici le plus haut étant à 2027 et la clôture est à 2026. On a accéléré au-dessus du support, accéléré au-dessus de la M7 et réaccéléré au-dessus de la médiane. On a confirmé vendredi par une clôture une nouvelle fois au-dessus de la médiane, clôture qui permet l'ouverture des bandes de Bollinger, vous le voyez, ouverture des bandes de Bollinger. Le MACD, lui, est toujours bel et bien au-dessus de zéro et au-dessus de son signal, et on voit que malgré qu'il a essayé de décroître en début de semaine, il a réaccéléré fin de semaine. Donc c'est un très bon signal pour une poursuite haussière. Et également, le plus intéressant en tout cas, c'est le RSI qui lui clôture au-dessus de 60. Donc on est bel et bien dans une phase d'accélération haussière. Et donc il est au niveau probabilité, très très probable qu'on aille rejoindre les 2046 courant de la semaine prochaine, peut-être lundi, voire mardi. Tant qu'on reste au-dessus de cette médiane qui nous guide pour l'instant, et au-dessus de la M7 qui se trouve à 2014 points, eh bien la pulsion haussière pourra se poursuivre jusqu'à 2046 et peut-être revenir dans le range précédent, un range qui avait tenu lui pendant des semaines et des semaines, vous voyez ce grand range ici, latéral. Si on en revient, eh bien, on pourra en tout cas se stabiliser dedans au départ, c'est ce que j'espère, et ensuite peut-être rejoindre les 2127 points. Alors pourquoi cette réaccélération haussière? Eh bien, moi je mets ça sur le compte, et beaucoup de gens mettent ça sur le compte, sur le fait que la Fed se rend compte un petit peu que la relevée des taux va un peu tuer l'économie, et que c'est pas vraiment le bon moment de relever les taux d'intérêt avec le ralentissement chinois et le ralentissement mondial qui se présente une nouvelle fois à nos portes. Donc ce sera probablement la relevée des taux reportée à l'année prochaine, ou peut-être encore plus loin, et cela redonne de l'espoir un petit peu aux investisseurs d'une poursuite haussière des indices, et donc des actions qui y sont corrélées. Donc voilà. Augmentation du S&P 500, objectif 2046, ensuite se stabiliser au-dessus de 2046 pour au final aller essayer de rejoindre les 2127 points. Ce serait bien comme cadeau de fin d'année. Voilà, c'était mon avis donc sur le S&P 500. Pour me contacter, le site budgetinvestor.be, l'adresse email, le Facebook et le Twitter pour suivre les news en direct, mais le plus important étant de venir sur le site. Venir voir nos autres vidéos, peut-être se renseigner sur la zone membre qui vous donne des exemples sur des actions, la partie Forex pour les lives, les formations, les analyses. Le plus important pour ne rien rater, c'est de venir en fond de page, s'inscrire à la mailing list afin d'avoir dans votre adresse email immédiatement toutes les analyses, toutes les infos, les connexions pour les lives quand il y en a et les autres infos pertinentes. Merci à tous, à tout bientôt.